Mon nom c'est Jean-Philippe Grenier, vous me connaissez peut-être aussi sur le nom de Tipou Production. Puis aujourd'hui on va parler de photos de nuit ou de photos en général. J'ai commencé la photo en 2015 pendant un voyage de 6 mois aux États-Unis avec un de mes chums. J'avais emprunté la caméra à ma soeur là, dans le temps, un Canon, je me souviens même pas c'était quoi exactement. Puis c'était juste pour prendre des photos là, dans des parcs nationaux, puis des photos de paysages, puis d'un peu partout où on allait pour documenter le voyage. Puis je pensais que c'était des bonnes photos, mais finalement on évolue apparemment. Puis c'est ça, fait que c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir la photo avant de m'y intéresser plus en profondeur. Fait que, en revenant de mon voyage, ben en fait, j'étais encore en voyage, on est arrivé sur l'île de Vancouver chez d'autres amis chez qui on restait pour travailler dans une station de ski. Puis à ce moment-là, j'ai acheté ma première caméra, un Nikon D3300. Puis c'est vraiment là, ce voyage-là qui m'a donné de l'intérêt pour les photos de paysage, surtout de la nature, puis de pousser plus là-dedans. Puis avec ma caméra, là, j'ai commencé à plus explorer un peu la photo de nuit, la photo de paysage, la photo en général en fait. Puis là, j'ai vraiment commencé là, à avoir cette passion-là pour la photo, là, puis de vraiment presque juste faire ça, en fait, là, comme activité. Ce qui est intéressant avec la photo, je trouve, c'est que ça t'amène à des opportunités que tu n'aurais pas en général ou que tu prends le temps de faire. Par exemple, on dit, bon, aujourd'hui, on s'en va en raquette, par exemple, explorer le territoire. Ben, tu vas amener ta caméra pour documenter cette journée-là. Mais est-ce que j'aurais juste été en raquette des fois? Pas nécessairement. Là, en me disant, OK, aujourd'hui, je vais aller faire des photos sur telle montagne. Ben, le fait de me dire, je me rends à tel endroit, ça me fait faire telle activité. Puis, ça permet de pratiquer une autre activité en même temps que la photo. Fait que ça fait faire deux choses en même temps ou faire plus de sorties, en fait, là, que j'aurais peut-être fait normalement, là, dans le but de prendre des photos. Puis, en restant chez nous, ben, tu peux pas avoir des photos sur une montagne, par exemple, si t'es chez vous. Faut vraiment que tu te rendes à cet endroit-là pour avoir des photos. Pour faire les photos nues, par exemple, là, c'est vraiment... Il y a vraiment un processus un peu de dire tu sors parce que par exemple l'hiver ça court nord c'est pas très chaud, fait qu'il faut que tu te prépares, faut vraiment que tu t'habilles comme faut que tu te rentres, faut que tu sois sûr de pas avoir froid si tu veux rester là longtemps. Puis avec les aurores boréales qu'on a parfois la chance de voir ici, ben moi je check les prévisions sur Aurora Alert, c'est une application sur Android et iPhone que vous pouvez trouver. Puis en checkant ces prévisions là, ben des fois tu te rends là-bas puis il y a rien. Même si les prévisions sont fortes, des fois il n'y a rien. Des fois tu vas là, il n'en annonce pas, il va en avoir des super bonnes. Fait que c'est vraiment toujours une partie de chance ou de... En fait, c'est pas de la chance parce que si tu y vas pas, tu les verras pas. Tu crées ta chance en fait. Fait que chaque sortie, en fait, chaque opportunité que tu crées, peut-être qu'il va y avoir des aurores boréales, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais au final, s'il n'y a pas d'aurores boréales, ça va peut-être être des photos de nuit, ça va peut-être être des photos des arbres, des photos dans la forêt. C'est vraiment... des fois tu te dis, ah ben aujourd'hui je vais aller prendre une photo par exemple de coucher de soleil. Il n'y aura pas de coucher de soleil, mais tu vas arriver, il va y avoir une perdrix ou quelque chose d'autre par exemple. Ça va devenir ton sujet qui n'était pas ce qui était planifié ou tu n'as pas d'idée de quoi tu vas sortir prendre en photo. Puis finalement, en te rendant sur les lieux, tu vas vraiment avoir rentré dans un processus créatif. Puis à ce moment-là, ben tu vas trouver des sujets que tu pensais pas prendre. Puis c'est ça qui est le fun. Là. Chaque sortie est vraiment différente puis tu peux pas prévoir. Là. Ça va vraiment avec les conditions, avec... comment tu te sens aussi, qu'est-ce que tu as envie de prendre, fait que chaque sortie est différente.
Ce qui est le fun aussi avec la photo, c'est que tu pourrais sortir avec un groupe de 10 personnes. Puis les 10 personnes se disent « Ok, aujourd'hui je vais prendre une photo de coucher de soleil, vous êtes au même endroit. » Mais c'est vraiment, chaque personne a sa créativité qui va faire que toutes les shots vont être différents. Là. Même si vous prenez le même arbre en photo, ben il n'y aura pas une photo de pareil. Puis c'est là que chaque personne a sa vision des choses, puis qu'il va vraiment avoir son œil à lui. Fait qu'on va pouvoir voir la photo à travers ses yeux, ce qui fait que c'est unique en fait là. Pour ce qui est du côté technique des photos de nuit, en fait, ce qui est important d'avoir, c'est le plus important, c'est d'avoir un trépied. Puis le deuxième, ben, c'est d'avoir une caméra ou un cellulaire. Parce que les cellulaires aujourd'hui font de très bonnes photos. Puis avec quelque chose pour attacher ton cellulaire sur un trépied, ben tu vas être capable de prendre des longues expositions puis prendre des photos. Qu'est-ce que je veux dire par longue exposition? C'est de capter plus de lumière que quand on prend une photo. Par exemple, si on prend une photo classique, ça va faire clic rapidement puis ça va capter la lumière. Pour ce qui est des photos de nuit, on va mettre un temps d'exposition, par exemple, de 15 ou 30 secondes, dépendamment de comment on veut capter de lumière. Donc, l'obturateur va ouvrir, capter de la lumière pendant 15 secondes, si je décide que c'est 15 secondes, et se referme. Ça fait que on va voir la lumière des aurores boréales, par exemple, parfois on y va, puis on les voit pas, en fait. Là, on voit une petite lumière blanchâtre, mais je vois pas le ciel vert vraiment capoté que... À chaque fois. Là. C'est vraiment la caméra qui capte plus de lumière qui fait qu'on les voit plus qu'à l'œil nu, par exemple. Fait que ça marche aussi pour n'importe quoi, en fait, pour les étoiles, pour mieux les voir, pour l'avant-plan. Tu peux éclairer un peu avec une lampe de poche pour capter la lumière que tu vas éclairer pour faire du light painting, qu'on appelle, peinturer avec une lampe de poche ou autre. Puis c'est vraiment ça là, qui va faire que ta photo va prendre avoir plus de lumière puis va être belle au final. Puis une autre chose qui est importante, c'est d'avoir des objectifs avec un f-stop qui est quand même bas, donc une grande ouverture. Par exemple, f2.8 c'est très bon, mais si vous avez aussi des plus bas que ça, ça va juste permettre d'avoir plus de lumière qui va rentrer dans la caméra, donc besoin d'un moins long temps d'exposition ou de moins mettre l'ISO qui va être haut, donc la sensibilité à la lumière plus basse, ce qui est plus favorable. Ça te permet de voir des choses que tu verrais pas à l'œil nu. Fait que là, il y a vraiment un processus créatif que qu'est-ce que tu veux montrer, par exemple. Tu peux prendre une lampe de poche, puis commencer à peinturer, écrire ton nom ou faire un dessin. Puis dans la caméra, tu vas voir les lignes apparaître avec la lumière que tu vas avoir pris selon l'exposition, puis tout ça. Fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs aussi, parce que chaque photo que tu prends, ben c'est pas toujours la bonne. Ou parfois, quand t'es seul, si je veux être dans l'image, ben il faut que je mette un timer, que j'aille me placer, je prends une photo, bon j'étais trop à gauche, j'avais pas ma lampe de poche placée à la bonne place, ok, fait que tu retournes, tu pèses sur la caméra, tu te replaces, fait que c'est beaucoup là, d'essais-erreurs aussi pour faire des photos de nuit, mais c'est là vraiment là, que ça joue dans ta tête, puis une fois que t'es toute seule dans le bois, t'es vraiment dans le moment, puis c'est là que les idées arrivent, puis tu vas être assis chez vous sur ton divan, t'auras pas d'idées, t'arrives sur le spot, puis là genre vraiment... Tout change là, t'as des idées qui apparaissent puis tu décides des choses que t'avais pas en tête chez vous par exemple. Pour ce qui est de la photo aérienne, ça c'était vraiment aussi quand je suis revenu là, de mon voyage aux États-Unis, je suis revenu à cette île, j'ai vu un drone à vendre sur Facebook, exactement le modèle que j'avais en tête d'acheter à plus long terme. Finalement je me suis retrouvé avec le drone la journée même. Puis j'ai commencé comme ça, je prenais des photos un peu de paysages où j'allais par exemple à des chutes, peu importe. Puis je prenais des séquences vidéo, je faisais des petits montages de 30 secondes. Aujourd'hui je les regarde, puis tu sais mes coupures n'étaient pas nécessairement bonnes puis tout ça, mais c'est là que ça a commencé. Puis j'ai commencé à faire des vidéos, puis j'ai commencé à avoir de la demande un peu pour ça. Puis j'ai vraiment poussé plus parce que ça trouve des perspectives que t'as pas nécessairement avec la photographie au sol. Par exemple, si ta photo est cadrée comme... d'une certaine façon, ben tu peux juste pencher ton drone vers le bas puis avoir complètement une différente photo, même si tu fais juste bouger de quelques centimètres ou de monter de 1 mètre, ça change complètement la vue que tu as des montagnes ou des arbres ou peu importe. Donc ça ouvre vraiment une perspective que tu n'as pas avec la photographie au sol.
Puis sans parler même là, des photos vers le sol, que c'est plus abstrait aussi, que c'est vraiment un style que j'adore là, développer puis faire au fil du temps que, de plus en plus. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose là, qui est différent de la photo au sol, puis qui amène vraiment la personne qui regarde la photo à s'interroger c'est quoi, par exemple, une rivière vue d'en haut. Mais tu vois juste de la mousse avec des espèces de textures, ben tu vas la regarder plus longtemps pour te demander c'est quoi cette photo-là avant de voir « Ah ben finalement il y a un gars en kayak à telle place que j'avais pas vu » ou quelque chose comme ça. Là. Fait que ça c'est vraiment le fun pour ça. Une fois que tu as pesé sur le déclencheur et que tu as pris une photo, ben il y a une grosse partie qui va se passer chez vous en arrière de l'ordi. Si tu arrives d'une expédition en forêt et que tu as pris 500 photos, ben ces 500 photos-là, va falloir que tu fasses quelque chose avec. Fait que premièrement, il va falloir que tu les mettes sur ton ordi. Fait que c'est le temps de les loader. Après ça, il faut que tu fasses le tri de ceux que tu préfères. Après ça, il faut que tu choisisses ceux que tu as vraiment un intérêt pour pouvoir, par exemple, mettre sur tes réseaux sociaux ou autre. Fait que là, tu vas travailler chaque photo individuellement selon ton style, premièrement, ou selon comment tu files, parce que des fois tu vas te dire ok, aujourd'hui j'essaie de quoi de nouveau. Fait que t'essaies de quoi de nouveau, ça va marcher, ça va pas marcher. Puis on pourrait faire le test puis prendre la même photo pendant un an. Sur l'ordinateur, puis à chaque jour tu dis j'essaye un nouveau style de photo, tu vas voir la même photo exactement, mais elle va être différente, 365 variantes, tu sais. Fait que c'est vraiment chaque personne, ou même donner la même photo à 10 personnes, les 10 photos vont sortir complètement différentes, ça va être la même prise de vue exactement. Fait qu'il y a beaucoup de travail là, derrière l'ordi qu'on pense pas nécessairement souvent, puis qui va donner un style à la personne qui a pris la photo. Fait que oui, c'est la prise de vue, c'est l'œil du photographe qui va avoir fait la photo, mais il y a aussi son œil derrière, comment il va voir la photo ensuite, là, quand il va l'avoir terminée puis qu'il va la publier ou l'imprimer par exemple sur du grand format ou des choses comme ça. Là. Fait que c'est quoi qu'on pense pas nécessairement souvent, mais qui est une grosse partie du travail, même plus grosse que sur le terrain. Pour ce qui est de mes projets futurs, en ce moment là, avec ma blonde, on est en train de se planifier un voyage là, d'environ un an et demi, deux ans. On partirait de cette île, on va monter jusqu'en Alaska, descendre jusqu'en Argentine en campeur. Fait que ça c'est vraiment un projet là, qui va être le fun sur le plan culturel, mais aussi sur le plan photo. Là. Moi j'ai vraiment aimé premièrement mon voyage que j'ai parlé plus tôt aux États-Unis. Fait que là d'y retourner 5-6 ans après avec là vraiment les connaissances que j'ai acquis au fil des années, puis l'intérêt que j'ai eu, puis même l'équipement que j'avais pas nécessairement. Là, avant j'avais un objectif, là j'ai vraiment une gamme diversifiée. Fait que ça va vraiment là, m'aider dans ce projet-là, puis je pense que... Je sais pas vraiment où ça va m'amener ce voyage-là, si je vais faire plus de photos de voyage en revenant de ce voyage-là, ou si je vais... C'est vraiment inconnu, mais pour l'instant, le projet qui s'en vient, là, c'est vraiment ça. J'ai des comptes à rendre là, aux parcs nationaux que j'ai vus aux États-Unis, puis que je veux retourner améliorer les photos que j'ai prises il y a quelques années.